Chaque jour, la liste des candidats de gauche au municipal de 2014 s'allonge. Dernière candidate déclarée, Samia Ghali, la sénatrice maire des 15 et 16e arrondissements, avait fait le buzz en demandant l'intervention de l'armée dans les cités marseillaises, une intervention qui lui avait conféré une certaine notoriété. Samia Ghali a dernièrement demandé à Harlem Désir l'organisation rapide de primaires à Marseille. Elle veut réunir le nord et le sud de la ville. Écoutez-la, elle répond aux questions de Romain Fiorucci. La situation aujourd'hui entre le nord et le sud est complètement... on a une ville qui est complètement divisée. Moi, je veux unifier cette ville. Il faut remettre du transport en commun. Vous voyez bien que la question de la circulation à Marseille fonctionne mal. Et moi, je vais même plus loin dans mes propositions. Je dis qu'il faut que l'État nous apporte tous les moyens nécessaires pour nous permettre de rattraper le retard que nous avons pris sur les autres villes de France. Et permettez-moi de dire oui, que je veux être le trait d'union entre le nord et le sud de la ville. Et je demande à Harlem Désir, oui, qu'il mette les choses à Harlem Désir, et au premier secrétaire fédéral aussi, hein, à Jean-David Ciotte, pour qu'il mette en place et qu'il organise les primaires. Oui, j'irai au bout de la primaire. Puis après, il y a ceux qui se déclarent pour se déclarer. Il y a des sondages aujourd'hui qui ont été faits par les uns, par les autres, qui mettent quelques candidats, je dirais, en haut de l'affiche. J'en fais partie. Et je me sens aujourd'hui prête pour affronter ces primaires.